Bon, pour le fun aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait un RPM. L'idée, c'est de construire une petite architecture de répertoire comme celle-ci. Ça n'existera pas au moment de le construire. Ça non plus. Ça non plus. Par contre, il nous faut un fichier de spec dans le répertoire spec, un fichier targz ou autre chose dans le répertoire source. Un répertoire RPMs, un build root, un build et le tout dans un répertoire RPM build, obligatoirement. Comment on construit ça derrière? On tout simplement un RPM build. Alors bon, les options, ça dépend ce qu'on fait. Donc là, je veux juste un binaire, donc j'ai pas besoin de générer le source puisqu'il existe déjà. Donc là, je fais que le binaire, donc bb comme option. Donc je prends build, je prends mes specs. Boum. Donc là il travaille, il réfléchit, il fait un certain nombre d'automatismes qui ont été définis dans le fichier spec. Comment on définit toutes ces variables dans le fichier spec? Ben c'est simple, il y a une certaine syntaxe qui ressemble vaguement à ça. Donc en gros il y a une version, il y a qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'install, qu'est-ce qu'on fait au niveau du clean, qu'est-ce qu'on fait des fichiers, qu'est-ce qu'on fait sur le changelog. En gros c'est à peu près tout. Alors là je l'ai déjà testé, donc c'est pour ça que je fais un réinstall, sinon l'option réinstall ne sert à rien. Ploum 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 ploum. Donc BFI Hello. Hello World. Et qu'est-ce que c'est que ce BFI Hello? D'où est-ce qu'il sort? En réalité, c'est, on le voit en transparence à travers le terminal. C'est un interpréteur de Brainfuck écrit en langage Force. En GeForce précisément. Donc à quoi ça ressemble? À quoi ressemble ce fameux Hello World? Alors, ça ressemble à... pardon. Ça. Slash bin slash bifilo. À ça. Moins le S et moins les cotes, bien entendu, puisque c'est l'entrecote qui compte. Donc ça, c'est le programme qui permet d'écrire Hello World. Et maintenant, si on veut lire tout l'ensemble du reste du code, voilà. Donc tu trouveras tout ça, bien sûr, sur le GitHub, comme d'habitude. Donc tu trouveras évidemment toutes les docs sur Google, sur le RPM build. Il n'y a rien de compliqué, il faut le faire une fois pour apprendre, comme d'habitude. Ciao!